Макрон заявил, что он хочет посредничать в переговорах в Беларуси. Ну, давайте сначала я приеду, буду посредником между желтыми жилетами и Макроном. Там, ой, какая обстановка, не дай бог, и террор, и желтые жилеты не видят. Нет, в Белоруссию озаботились. Пусть там разберутся сначала. Почему они озаботились? Немцы там с коронавирусом не могут разобраться, демонстрации. Почему они озаботились Белоруссию? Это удобный случай отвести внимание от своих проблем и перекинуть на другую. Bon, les libertés publiques et le droit de manifester n'ont jamais été aussi menacés en France depuis plusieurs décennies, mais pourtant Macron est quand même allé faire la leçon à Loukachenko, président élu de la Biélorussie en août dernier, qui fait pourtant face à une opposition pilotée par l'étranger et en grande partie influencée par l'extrême droite biélorusse, ainsi que par les gouvernements d'extrême droite ukrainiens et polonais. Les États-Unis ont annoncé en juillet dernier, avant même la réélection de Loukachenko, que 12 000 soldats américains stationnés en Allemagne allaient quitter Berlin et que 5 000 d'entre eux allaient être redéployés en Pologne, à la frontière biélorusse. Le 15 août dernier, quelques jours à peine après le début des manifestations soutenues par l'OTAN, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a signé un accord militaire supplémentaire avec la Pologne pour y déployer encore plus de soldats et menacer ainsi la Biélorussie d'invasion militaire. La candidate opposée à Loukachenko, qui a perdu l'élection présidentielle, Svetlana Tikhanovskaya, refuse de reconnaître sa défaite. Elle a pris la parole devant les députés français le 7 octobre en réclamant des sanctions économiques contre son propre pays, plus de soutien pour l'opposition de droite, elle a rencontré Macron, Mike Pompeo et elle a même rencontré BHL pour trouver du soutien. Il y en a même certains qui ont tenté de nous faire croire qu'il s'agissait d'un symbole féministe alors qu'elle a rencontré le gouvernement polonais d'extrême droite qui a récemment interdit complètement l'avortement, en disant qu'il s'agissait pour elle d'un pays merveilleux où le président écoute son propre peuple. En soutenant cette idiote utile de l'impérialisme, Macron et l'Union européenne refusent donc de reconnaître la légitimité de Loukachenko à la tête de la Biélorussie, sous prétexte de l'existence, certes probable, mais toujours pas prouvée, de fraude aux élections présidentielles. En novembre dernier, Macron avait déjà utilisé le même stratagème pour refuser de reconnaître la légitimité de Evo Morales en Bolivie et approuver le coup d'état d'extrême droite. Or, on sait depuis que les accusations de fraude étaient infondées. A partir de là, il est utile de faire une comparaison entre la situation de la France et celle de la Biélorussie sur les gouvernements de ces deux pays et sur les forces sociales en présence. On verra qu'il s'agit de deux situations totalement opposées et qu'il n'y a pas de révolte populaire en Biélorussie, mais au contraire une tentative de coup d'État pour soumettre ce pays à l'OTAN, détruire les nombreuses conquêtes sociales issues de la période soviétique et affaiblir encore plus la Russie. La situation en France, on la connaît bien. Notre pays n'en finit plus de souffrir des politiques d'austérité et du chômage de masse causées par le capitalisme mondialisé. Les luttes du mouvement syndical et la révolte des Gilets jaunes expriment un même refus de se faire écraser par le capital. Par contre, la situation en Biélorussie est radicalement différente. En effet, c'est le seul pays de toute l'Europe de l'Est qui a réussi à conserver la plupart des conquêtes sociales de la période soviétique. Les Gilets jaunes en France, même si c'est de manière confuse et parfois contradictoire, expriment quand même la volonté d'une hausse du pouvoir d'achat des Français, d'une hausse des salaires, ils expriment le rejet du néolibéralisme qui détruit nos services publics depuis 40 ans, et il y a là, derrière ça, en définitive, le refus du prolétariat français de se laisser écraser par le capital. A l'inverse, la majorité des manifestations contre le pouvoir biélorusse est un phénomène complètement opposé sur le plan social. L'opposition biélorusse est dominée par la petite bourgeoisie urbaine, qui souhaite au contraire s'intégrer dans la mondialisation néolibérale. Elle est soutenue par l'Union européenne, par l'OTAN, elle est financée par le département d'État américain via la Fondation nationale pour la démocratie, la NED. Elle n'a affiché aucun programme politique, mis à part la revendication creuse de la démocratie libérale, qui cache très mal la volonté pure et simple de virer le gouvernement et de supprimer tout ce qui peut faire penser, de près ou de loin, à la période soviétique. Et c'est bien normal, cette opposition est dominée par la droite anticommuniste, libérale, et l'opposition biélorusse manifeste d'ailleurs avec le drapeau blanc et rouge, qui fait référence aux périodes non soviétiques de l'histoire de la Biélorussie au XXe siècle, et qui a été employé pour la dernière fois par les collaborateurs pro-nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce drapeau blanc et rouge n'est logiquement pas approuvé par la majorité de la population biélorusse, population biélorusse qui a voté l'adoption du drapeau actuel de la Biélorussie par référendum en 1995, un an après la première élection démocratique de Loukachenko.
Elle a voté à 80% en faveur du maintien du système soviétique lors du référendum de 1991. Elle a voté massivement pour Loukachenko en 1994 et elle a approuvé le retour à un drapeau proche de celui de la période soviétique lors du référendum de 1995. La population biélorusse est très attachée aux conquêtes sociales de l'URSS qui ont été préservées en grande partie grâce au gouvernement de Loukachenko depuis 25 ans, malgré des erreurs, de la corruption et une démocratie pas suffisamment développée. Grâce à la préservation des acquis sociaux de la période soviétique, la Biélorussie est actuellement l'un des pays les plus développés de tous les pays de l'Est, et fait partie des pays à haut niveau de développement dans le monde selon l'ONU elle-même. L'espérance de vie y est de 74 ans, soit plus qu'en Russie et en Ukraine. Le système de santé biélorusse est l'un des plus performants du monde, les soins y sont gratuits, le pays dispose du plus grand nombre de lits d'hôpitaux par habitant de toute la planète, avec 11 lits d'hôpitaux pour 1000 habitants, soit 2 fois plus qu'en France et 3 fois plus qu'aux États-Unis. Son taux de mortalité infantile est de 2,9 pour 1000 habitants contre 3,7 au Royaume-Uni, et l'éducation y est gratuite, les études supérieures aussi, les transports sont subventionnés et le coût du logement est extrêmement faible. La retraite également est toujours à 60 ans pour les hommes et à 55 ans pour les femmes. La population biélorusse dispose d'un salaire moyen d'environ 400$ par mois, ce qui est supérieur à des pays qui lui sont frontaliers comme la Russie ou l'Ukraine. En bref, le niveau de vie est élevé, le pays dispose d'un haut niveau de technologie et des secteurs cruciaux comme la santé et l'éducation sont très développés comme dans tous les pays marqués par l'héritage du socialisme. C'est pour ça que malgré les nombreuses critiques que Loukachenko reçoit à juste titre pour son pouvoir autoritaire et paternaliste, il garde encore la sympathie et le soutien d'une grande partie de la société biélorusse, notamment dans les zones rurales mais aussi dans la classe ouvrière. Même les ouvriers grévistes qui contestent le manque d'ambition de Loukachenko en matière de hausse de salaire se sentent malgré tout plus attachés à l'état social et au gouvernement légitime qu'aux manifestants qui les méprisent, car ils savent très bien que si le gouvernement tombe, l'industrie nationale sera bradée. Il est très clair qu'en l'état actuel des choses, aucune amélioration ne peut venir d'un renversement de Loukachenko, précisément parce que la défaite signifierait de fait la victoire de l'opposition de droite et donc de l'impérialisme américain ainsi que des oligarques européens ou russes. La gauche dans le pays ne soutient d'ailleurs pas les manifestations anti-gouvernementales. Au contraire, les communistes défendent la souveraineté du pays et revendiquent le retour au socialisme en reprochant justement à Loukachenko de ne pas aller suffisamment loin dans ce sens. De plus, si le gouvernement biélorusse tombait, cela permettrait à l'OTAN d'avancer ses bases militaires et ses missiles balistiques jusqu'aux frontières de la Russie, à quelques centaines de kilomètres de Moscou seulement. Cela mettrait en grand danger la Russie et la paix mondiale. Même s'il faut rappeler que les oligarques russes, qui ont contribué à l'aggravation de la crise politique, sont encore là précisément parce qu'il les a protégés, Poutine a néanmoins raison de soutenir Loukachenko et de s'opposer à l'ingérence des puissances impérialistes. La vraie menace dans cette affaire, c'est l'OTAN, c'est l'Union Européenne et Macron qui s'ingèrent dans les affaires de la Biélorussie en s'appuyant sur des forces clairement d'extrême droite, tout en approuvant en même temps la répression de la CGT et des Gilets jaunes. Et ceux à gauche qui pensent qu'il s'agit là d'une révolte populaire comme les Gilets jaunes en France se trompent lourdement. Il s'agit au contraire d'une tentative de coup d'État pilotée par l'impérialisme et dirigée contre les communistes et contre le peuple biélorusse.